Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre co-manager avec Norwich City. Dans le précédent épisode, on a attaqué fort avec 5 matchs. On est plutôt bien classé au niveau du championnat. Comme vous pouvez le voir, on a 3 points d'avance sur Manchester City. Manchester City qui nous a battu 2-0 dans le précédent épisode. Chelsea, on a 5 points d'avance sur Chelsea. Donc on fait un bon début de saison. Après 15 journées, 2 défaites, 3 nuls, 10 victoires. Dans, justement, j'allais me répéter, mais bon, dans le précédent épisode, on a eu un petit problème devant. Et on a terminé le match avec Bailey à gauche et à droite. On a décidé de mettre le petit Emre Mor. Et c'est plutôt bien fonctionné. Et dans l'espace commentaire, vous avez été nombreux à me conseiller de retenter l'expérience. Donc du coup, dans l'équipe 1, on va mettre Emre Mor, Bailey. Et pour le coup, c'est le petit Murphy qui paye. Oh merde, j'ai oublié de changer. C'est le petit Murphy qui va passer dans l'équipe bis, en tout cas pour l'instant. Donc je vais juste changer ça tout de suite avant d'oublier. Kluivert, on va le mettre à droite du coup. Emre Mor ici et Murphy titulaire à gauche. Hop, on peut sauvegarder. Là, je veux juste aller voir le calendrier pour savoir ce qui nous attend dans cet épisode. Ça n'a pas été un épisode assez long, très long plutôt. Pour la simple et bonne raison, c'est que au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche. Il y a le match de l'équipe de France dans pas très très longtemps. Et en plus de ça, je pars en déplacement pour mon travail dès mardi. Donc du coup, ça me laisse très peu de temps pour vous sortir l'épisode pour mercredi. Du coup, on va faire un match face à Southampton, ensuite Swansea. Et on terminera avec Liverpool. Donc on enchaîne 3 petits matchs, histoire d'avancer quand même dans notre carrière. Hop, on est bon. Donc là, premier match Southampton, normalement l'équipe 1 est en pleine forme parce que là on a eu une bonne semaine de repos. Offre pour le poste sélectionneur, non merci. Jouer match, on est à l'extérieur. J'espère que Emre Mor est toujours aussi chaud parce que c'est vrai qu'avant il m'avait fait quelques bons matchs. Par contre, on va mettre l'équipe 1. Défaut Bailey, Emre Mor, Galdames, Kessié, Pineda. Ça bouge pas. Hernandez, Mathieu, Nagnon, Serna et Rudy dans les cages. Let's go. C'est quoi ça? Ça commence là. Southampton, Norwich City. On a Bailey qui est là, qui a l'air chaud patate. Par contre, le petit problème avec Serna, c'est qu'il prend pas assez son côté en fait. Oh merde, ça c'est de la merde. Oui. Non, tu peux pas mettre un carton rouge là-dessus. C'est même pas un tac par derrière. C'est quoi ce jeu? Ok, d'accord, je suis totalement d'accord, c'est un tac dangereux, mais il n'y a jamais rouge là-dessus, il n'y a pas rouge. Non, 2 minutes de jeu, quoi. Vas-y, lâche tes tacs, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Corruption, corruption, corruption de l'arbitrage. Allez, oui. Dommage, dommage, dommage. Bon, on va avoir pas énormément d'occasions. Pas avoir beaucoup d'occasions, il va pas falloir les louper. Hein. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. J'ai peur parce qu'avec cet arbitre là, j'ai cru qu'il allait avoir pénalty. Allez, défaut, sort, 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 sort. Allez! La réussite du mec! Lâche ça, toi! Allez, il y a la montée. Orpéline, tente ta chance. Je peux pas faire grand chose. J'aurais peut-être dû déborder, centrer et encore, je peux rien faire. Mi-temps, 0-0, toujours avec ce carton rouge très très rapide d'Emre Mor, expéditif même, donc on continue de jouer à 10 et on tient. Pour l'instant on tient, ils sont pas réellement dangereux, ils ont quand même eu la plus grosse occasion parce qu'ils étaient tout seuls dans la surface. Nous on a tenté quelques frappes de loin, mais ouais, ils sont pas super dangereux. Après une action est très vite arrivée, donc... continuer de bien défendre, mais ils ont de la réussite. C'est quoi ça? Oh la feinte, ils m'ont feinté 2 fois. Heureusement qu'il y a la poitrine de Joris Gnagnon qui est là. Oh, t'as de la chance, toi t'as pas de carton, t'as de la chance, t'as pas de carton jaune. Allez, dans le paquet, on peut peut-être être dangereux.
sur une balle comme ça dans le paquet. Peut-être, ça peut peut-être le faire. La zone est pas trop trop mal, mais ouais, c'est... Y a pas eu de joueur, malheureusement. Oh le contrôle, oh le contrôle. Hernandez. Orbelin. Oui, oui. Non. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? Merci Rudy, merci Rudy. Il est vraiment exceptionnel Rudy. Rudy, c'est vraiment, vraiment un très, très bon... Ben, il est devant, 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 direct. Il reste 20 minutes. Petite contre-attaque. On sait jamais. Non, 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 non. Il y a un joueur dans les buts, plus le gardien, ça va. J'ai failli faire une dinguerie. J'ai failli faire une dinguerie. Oh, l'interception. Oh, allez. Mais oui, bien joué. Mais c'est pas... C'est pas fini. Ouf. Oh, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Allez, gars. Ils sont pas bien, ils sont pas bien, ils sont pas bien, ils sont pas bien. 0-0 dans ce match face à Southampton. Clairement, le fait du match, enfin le... Le moment qui a tout changé, c'est voilà, les 30 premières secondes, je fais un tacle, après je peux... C'est moi qui fais le tacle, hein. Mais bon, pour moi, il n'y a pas rouge là-dessus, après, c'est pas grave. Je pense que Rudy termine homme du match assez largement. Même pas. Même pas. Rudy, il a 7, alors que, ouais, bon, il a fait 3 arrêts, mais c'était 3 arrêts genre exceptionnels. Vraiment, Rudy, très très bon gardien. On s'est fait dominer 10 tirs à 7, après c'est normal, on a joué à 10 contre 11, même si on a quand même eu quelques occasions, notamment deux barres transversales, hein, faut pas oublier. Les Spurs gagnent 2-0, Leicester 1-0, Chelsea 0-0, ça c'est bon parce que Chelsea est 3ème, joueur suspendu. Oui, forcément, il est comme d'un match de suspension. On va simuler les entraînements et ensuite on va se diriger vers notre 2ème match face à Swansea. Ouais, les entraînements c'est pas top, mais bon, on prend, hop, on va pouvoir tranquillement avancer vers notre prochain match. On est toujours premier, 4 points d'avance. Attendez, peut-être que City a pas joué, c'est pour ça. On va regarder tout de suite le classement après avoir... Ouh, on a 15 jours de repos après pour Liverpool. Oh, je mets l'équipe bis là, je mets l'équipe bis face à Swansea, hein. J'ai pas le choix. Je mets l'équipe bis. Du coup, et voilà, ils n'avaient pas joué, donc voilà. City revient à un point. Donc là, ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué. Nous, on est parti. Attendez, annulé. Hop. Du coup, on va mettre l'équipe bis avec Murphy, Kluivert. Hop. Jouer. Remplacer automatiquement le joueur indisponible. On est à la maison. On va jouer en jaune. On va les laisser en blanc. Murphy à gauche, Kluivert à droite. C'est la première fois que je teste comme ça. C'est la première fois qu'ils sont titulaires tout simplement ensemble, Murphy et Kluivert. Pépé en pointe, Madison, TT, il va être content de rejouer. Ça faisait un petit moment qu'il n'est pas rejoué. Ramsey, Martin, Chanvic, Pinto et on va pouvoir laisser Rudy, hein, parce que 67 de gardien, ça sent la boulette. Je préfère mettre Rudy qui est exceptionnel. On est parti. Ojeda, il lâche rien, mon gars. La mascotte. La mascotte. Ojeda. Oh, la petite passe. J'ai hésité à tirer sur son pied gauche. Hein. Après, je me suis dit, non, on va faire la petite passe. Sinon, ça fait un peu croqueur. Mais bon, on aurait peut-être pu tenter la frappe de loin avec notre petit Ojeda national. Ojeda. Voilà pourquoi j'ai pas tiré pied gauche. Parce que notre petit Ojeda, il a pas de précision. Il s'est pas tiré. Il ne s'est pas tiré. Bien joué ça, Ojeda. Allez, allez. Un petit décalage, dis pas non. Ouais, c'est bien défendu, y'a pas faute. Y'a pas faute, c'est bien bien défendu. Tackle. Bah oui, bah oui, bah oui, c'est mérité. Elle est belle la frappe en plus. 1-0 pour Sunsi. Oh là là, bien joué Murphy. Oui. Cette frappe d'Ojeda. Égalisation. Je sais pas si elle est contrée. C'est bien, c'est logique.
Mais non, elle n'est pas contrée. Hein. Magnifique frappe d'Ojeda qui répond parce que c'est vrai qu'on a pris une belle frappe aussi. Et là, juste avant la mi-temps, c'est parfait hein, partout. Oh, Murphy! Mais il est vraiment très très bon ce Murphy. Contrôle, il accélère, il prend de vitesse le défenseur. Et puis derrière, la finition est présente. Prend l'avantage de 1. Bien joué, Rudy. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, ça va être compliqué pour eux. Si tu fais l'appel dans l'axe, toi, pourquoi tu t'arrêtes aussi? Ouais, on a de la chance d'avoir un Murphy en. Oh là là, mais Murphy, la différence. Oh, Murphy! C'est son match. Il est présent, le petit Murphy. 3-1. Exploit personnel. À défaut d'avoir un appel plein axe, bah, j'ai tenté le coup avec Murphy et du coup, ça rentre. Donc, du coup, 3-1. C'est parfait. Victoire 3-1, les escrocs. Dans ce match face à Swansea. Swansea qui a eu pas mal de possessions, mais ils ne se sont pas procurés énormément d'occasions. Ils ont tenté quelques centres, mais bon. Liverpool qui perd son match face à Arsenal 2-1. Everton 3-0. City vient de faire un partout. C'est très très bon pour nous. Du coup, on reprend 4 points d'avance sur City. C'est parfait. Et là, on se concentre sur notre dernier match. On va pouvoir mettre l'équipe 1 et avoir le retour de notre petit Emre Mor. On est à la maison en plus de ça. Hop, défaut Bailey, Emre Mor à droite. On est parti pour ce match face à Liverpool. Oh, ça peut faire mal. Oh, ça peut faire mal. Oh, j'ai oublié de faire la passe. Moi, oh, je suis trop court. Heureusement qu'il cadre pas. Arrête, arrête. Le mec, il a une pression pareille et puis il arrive à se retourner et faire un... Allez. Il n'y a pas faute, voilà. Mais bouge de là. Mais... Ça passe. Non, arrête. Défaut. Il vient de prendre une petite roquette, là, le Rudy. Mais il est présent. Ben, il est devant. Allez. Allez, Emre Mor. Bien joué, mon petit. Allez, gamin. Allez, gamin. Allez, gamin. Non, mais non, mais Henderson. Heureusement pour nous qu'il continue pas, qu'il rentre pas dans la surface. Wow. Il est pas blessé. Il est pas blessé. Ah là 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 là. Forcément, forcément. Bah oui, sinon c'est pas drôle, Flo. Reda, il est mort. Madison, il est mort. Allez. Voilà! Sanction! Magnifique tête de caissier qui touche la barre transversale et qui rentre. 1-0. Serna qui rate totalement sa tête et du coup derrière ses buts, égalisation. On n'aura pas mené bien longtemps, hein. Un partout. Alors c'est bon, vous nous en avez déjà mis un but de la tête là. On se prend 2 buts coup sur coup, sérieux. Mi-temps, on est mené 2-1. On va essayer de réagir en deuxième période, mais on a pris 2 buts d'un coup. On n'a rien compris, enfin moi j'ai rien compris à ce qui se passait. Et du coup, bah là on va courir après le score. Voilà, y a faute, y a faute, y a faute. Ah, je sais pas qui c'est là, mais il est bien revenu. Oh, c'est bien joué. Avec un tir. Pff, c'est cadré, mais bon, c'est tellement sur le gardien que ça l'inquiète pas. Peut-être une tête de Mathieu, non. Galdames en retrait, Galdames en retrait. Ah, mais pied gauche, pourquoi tu tires pas pied droit au lieu de faire une vieille frappe dans l'axe, pied gauche là. Oula, 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 oula. Bah oui, ah bah oui, hein. Bah oui, compte favorable, mais pas pour moi, bien entendu. Sinon, c'est trop facile, c'est trop drôle. Allez, ça joue bien, là. Faut décaler en bas sur Bailey. Si Galdames arrive à retenir... Allez, allez, au pressing. Pff, tu l'as mangé, tu l'as mangé, tu l'as mangé. Tu l'as mangé, tu l'as mangé, c'est pas sorti. Ah, oh, il m'a empêché de faire l'appel en bas. Mais oui. Lâche ça. Pas bien, ils sont pas bien, ils sont pas bien. Regarde ça, ils se dégagent à l'arrache. Ils sont pas bien, ils sont pas bien. Ils sont pas bien, ils repartent tellement propres, ils sont tellement bien.
Je suis obligé de faire faute, voilà. Allez, mets-moi un carton encore. Allez. Oula. Tu peux rien faire sur ce match-là. Liverpool a été meilleur. Rien à dire. 3-1. Défaite 3-1 face à Liverpool. Ouais, ils ont été bien plus réalistes que nous. City qui perd face à West Bromwich Albion. Ça, c'est bon. Les Spurs 2-2. Ce que j'aimerais bien voir, c'est Chelsea aussi. Du coup, ça va. On garde nos 3 points d'avance sur City. Chelsea qui revient. Même Arsenal, je pense. Mais on s'en sort bien. On s'en sort bien parce que Liverpool, ils sont où ? Liverpool, ils sont 12e. Donc, ils font pas réellement un bon début de saison. Enfin, un bon début de saison. On est déjà à la 18e journée. C'est plus un début de saison. Du coup, on va tranquillement se diriger vers la fin de cet épisode, les escrocs. J'espère que vous l'aurez apprécié. La semaine prochaine, on se rattrapera. Vous inquiétez pas. Vendredi, on fera 5 matchs pour avancer sur la carrière. Donc voilà, prenez soin de vous. Bonne semaine à tous. C'était Flo Knox aux manettes.